Nous allons mettre en place sur l'Auvergne une plateforme pour les cours à distance concernant les lycées et les collèges pour les options rares. Je souhaite développer un projet autour du numérique et des langues. Donc, j'ai plusieurs petits projets pour développer ça. Le premier, c'était autour de la création d'un livre numérique sonore où les élèves s'enregistraient suite à une visite dans un musée. On veut mettre en œuvre une formation à la rentrée prochaine autour de l'école inclusive. Et pour ça, en fait, on voudrait initier les enseignants qui s'engageraient dans la formation à acquérir un certain nombre de compétences palier par palier, et on voudrait les valoriser avec ce qu'on appelle des open badges. Alors, le projet que je souhaite mener, c'est le CV numérique, parce que mes étudiants ont des stages sur les 3 années qu'ils vont passer avec nous, et ils passent par le papier qui est le CV classique, incontournable, mais l'idée est de dynamiser, de rendre quelque chose de plus attractif pour les futurs employeurs ou pour leur stage. Travailler sur sur mon rôle de référente numérique sur le département. Et puis, mon idée, c'est de mettre un petit peu, de rendre mon rôle plus visible et de mettre en lien les enseignants sur le département. Concevoir une formation sur un sujet qui est à la fois complexe et incontournable en ce moment, qui est celui de la programmation à l'école primaire.